Salut à tous, ici IsonGameFR, j'espère que tout le monde va bien. Ça y est, le printemps arrive, hein. C'est-à-dire que dimanche on va passer en heure d'été, donc on va avancer d'une heure. Les animaux ressortent petit à petit, les arbres fleurissent, tout va bien les gars. Alors, dans cette vidéo, qui est consacrée à Train Simulator 2022, je vais vous faire un petit tuto pour l'installation du TGV Paris Sud-Est, le TGV PSE, qui hélas, ça va faire depuis 2 ans, n'est pas en service, mais que l'on peut continuer à utiliser sur notre simulateur Train Simulator 2022. Et en plus, avec un petit élément en bonus, mais pour ça, pour rester le long de la vidéo. Allez, c'est IsonGameFR, on se retrouve, à tout de suite. Donc maintenant, avant de commencer à télécharger le fichier du TGV PSE V2 qui est sur la boîte centrale, il va falloir que tu ailles sur racim.fr. Donc tu vas ou vous allez sur racim.fr et vous téléchargez le TGV duplex et le PSE de PLM3, comme ceci. Allez, celui-là, je le télécharge maintenant. Je prends la dernière version qui est sortie à l'époque, hein, c'était la V2 sortie en glace 2015. Comme ceci. J'en profite pour télécharger aussi le TGV PSE qui est ici. Pareil, je prends la dernière version parce que sinon ça va être un peu spécial. Ouais. 2015-0-30-62.zip. Hein, on attend que tout ça se télécharge. Alors, une fois que tu as réussi à télécharger les fichiers, d'ailleurs, il est très important d'avoir WinRAR, parce que sans WinRAR, tu ne pourras pas extraire les fichiers que tu as téléchargés pour les copier dans ton dossier AC de Train Simulator 2022. Donc, pour pouvoir accéder aux fichiers AC, il y a une méthode qui est très très simple. Tu vas sur ton Steam, Train Simulator, propriété, fichiers locaux, parcourir. Et là, hop, t'as tous tes fichiers qui sont ici et dont le fichier AC. Tu prends les fichiers que tu as téléchargés tout à l'heure, donc là c'est le TGV de PLM3 pour le TGV PSE, PLM3 TGV PSE comme ici. Tu as juste à cliquer sur AC et le PLM3 tu le prends et tu l'insères dedans simplement. Montrer comme ceci, tu prends ceci et tu l'insères là. Bon, pour moi je vais pas le faire simplement parce que j'ai déjà installé auparavant, donc pour moi c'est pas la peine. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le TGV duplex que tu as tout à l'heure téléchargé et tu vas faire la même chose. Dessus, tu vas dans AC, PLM3, tu regardes ton fichier de base add-on, ravicule, et là tu insères la partie électrique. Le PLM3 TGV duplex. Pareil, pour moi, j'ai pas à le refaire parce que ça a déjà été fait auparavant. Et pour moi, ça sert à rien de le refaire à nouveau. Tu peux aussi le faire pour le côté audio et preload, hein, si tu veux. Hein. Preload. Et là, tu insères tout ce qu'il y a dedans parce que ça permettra d'avoir le TGV duplex de base dans le jeu. Pour pouvoir le sélectionner. Hein. Et dans l'audio aussi, tu peux le mettre dessus. Hein. Voilà. Là, tu as déjà complété l'étape numéro 2. Donc maintenant, tu vas dans la partie 3. Donc c'est l'avant-dernière étape. Où là, tu vas devoir installer la version V2 du TGPSE qui a été modifiée par Armand et son équipe. D'ailleurs, on peut remercier à lui, parce que sans lui, on n'aurait pas un TGPSE de ce type-là dans ce simulateur. Surtout qu'en plus, ce train va s'améliorer dans l'avenir. Il aura un niveau réaliste qui sera génial. J'ai hâte de voir une nouvelle cabine qui sortira bientôt. Donc tu vas sur Rework Central.
Tu vas dans l'onglet téléchargement. Tu vas dans automoteur et éthique. Et là, tu as le TGPSE qui est disponible pour sa dernière version. Donc une amélioration faite par Armand, Wenel, Loris, Lusorus et Makem. Qui est vraiment pas mal. Tu télécharges ceci pour le fichier. C'est le PML3, pas le TGPSE V2 qui est au-dessus PDF. Hein. Ça, c'est pour l'utilisation du train. Et là, tu télécharges. Une fois que tu as téléchargé le fichier du TGPSE de Armand, donc le V2, tu prends son fichier. Bon, c'est pas le fichier PML3, pas le PDF. Hein. Tu cliques dessus. T'as juste à prendre ceci, tu fais un copier, ou alors t'attends pour glisser ensuite. Hein. Toujours, tu vois sur Steam, Train Simulator, propriété, fichiers locaux, parcourir, dans AC, tu cherches PML3, et là, tu vas faire le copier. Enfin, tu vas le prendre et tu vas le glisser dedans. Tant pour moi, juste ici. Pour moi, ça, j'ai pas besoin de le faire parce que c'est déjà fait pour moi. Mais cette étape est très très importante. Et moi, ça, je le fais pas. Maintenant, voici l'étape bonus. Donc, on va dire que c'est une dernière étape. Je vais te montrer maintenant comment améliorer encore une fois ce TGV au niveau des vues. Donc avec une vue qui est custom, une vue cabride, pour avoir plus de réalisme dans ta simulation. Donc tu vas dans téléchargement, zone téléchargement et du quad. Tu vas dans automotrice et TGV, qui se situe à ta droite. Tu recherches le fichier UDAP pack TGPSE PML3, son physique amélioré. Ensuite, tu le télécharges. Généralement, c'est assez rapide. Voilà. Tu l'ouvres. Tu vas dans RAV véhicule et pas audio. Et actique. Et regarde. Le PML3 TGPSE Camille va servir quelque chose tout à l'heure. Donc là, tu es ici à droite en ninja pour l'instant. Tu retournes sur ton fichier AC du jeu. Donc on va revenir dessus. Hein. Tu recherches à nouveau PML3. Tu restes dans add-on, rail véhicule, électrique, le TGV PSE, cabine, qui est là, tu cliques dessus, dans le défaut, et là, tu prends le fichier de ton mirar, donc attention, c'est bien PML3 TGPSE cabine, hein, dans le défaut, et tu copies les deux fichiers dedans en les glissant. Allez, moi je remplace pour vous montrer. Et maintenant, je vais montrer le TGV dans le jeu pour voir et vous dire que ça fonctionne bel et bien. Ça y est, nous sommes maintenant dans le simulateur et vous allez voir, le TGV est apparu. Et vous voyez qu'il a bien été amélioré. C'est pas vraiment le TGV PSE de PML3 de base, qui avait une 3D qui était très très basique, qui était même simpliste. Mais bel et bien l'amélioration de Armand. Donc la base, en fait, c'est la base qui est issue d'un TGV réseau qu'avait fait Jean Prisca, alias Train Grand Vitesse, pour OpenORail. Et on va se trouver dans la cabine, vous allez voir. Vous voyez, là, je suis dans la cabine. Si j'appuie sur la flèche de droite, comme par magie, j'ai ma vue cabride pour avoir plus d'immersion dans le simulateur. Et c'est vraiment, je trouve, pas mal. Que pour ce tuto d'installation de ce TGV PSE avec sa petite vue custom se termine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura beaucoup instruit pour pouvoir mettre en place les add-ons sur ce fabuleux simulateur qui va fêter bientôt ses 13 ans. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner et surtout à mettre un petit commentaire, ça me ferait très très plaisir. Allez les gars, c'était IlsOnGameFR et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo, ça sera
dans le thème de la mise en service de ce TGV PSE. Allez les gars.